En 2006, lorsque le métayer est parti à la retraite, mes parents ont décidé de vendre la propriété. Je trouvais ça dommage car il y avait moyen de faire quelque chose avec cette entreprise. Bon, c'était compliqué parce que mon père ne me voyait pas du tout réussir et prendre les choses en main. C'est vrai qu'au niveau des boulots, j'étais jamais très, très stable. Un bon branleur. Mon père est décédé rapidement après que j'ai repris la propriété, voilà. Je reste une petite propriété sans trop de moyens, sans trop de matériel et le travail peut être dur par moment. Par contre, bon, je peux compter sur un atout que certaines grosses propriétés autour de moi n'ont pas. C'est la famille et les amis. J'ai hérité d'un vin moyen, mais avec du potentiel. J'ai décidé d'emmener ce produit à son vrai niveau. J'ai décidé de faire mieux. Mon vin demande encore à évoluer, mais à l'heure actuelle, il a quand même atteint un niveau de qualité très satisfaisant. Et je suis content. Et quand comptes-tu réaliser ton rêve? Demande le maître à son disciple. Dès que j'en aurai l'occasion, répondit-il. Et le maître répliqua. L'occasion n'arrive jamais. Nous créons l'occasion. Tu es le maître de ton destin. Tu es le capitaine de ton âme. Je pense que mon père aurait été heureux que la propriété ne soit pas vendue et qu'elle reste dans la famille. Et j'espère qu'il aurait été fier de moi. Tu vas aller où? Avec papa.